Salut tout le monde, c'est notre 14e semaine dans notre cube de lecture pour la voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va compléter le chapitre Les joueurs avec parties 5, 6 et 7. Et on va continuer avec la jeunesse de Rudy. Je vais commencer et ensuite Julie va continuer. Et à la fin de chaque chapitre, comme d'habitude, on aurait quelques questions pour vous. Hi guys, this is week 14, can you believe it? So we're going to continue with the book thief and continue the chapter called The Gamblers, number 5, 6 and 7. And then we'll sort of read Rudy's youth, and as per usual, we'll have questions for you guys. I'm sorry, there is something moving on the side, that's my cat licking herself. Sasha will start and then I will continue. Whenever you're ready, Sasha. Partie 5, un nouveau rêve, quelques nuits plus tard. C'était l'après-midi. Liesel descendit l'escalier du sous-sol où Max en était à la moitié de ses pompes. Elle l'observa un moment sans qu'il le sache. Lorsqu'elle s'approcha de lui et s'assit, il se redressa et s'adossa au mur. T'ai-je dit que ces temps-ci, je fais un nouveau rêve? Liesel se retourna vers lui, curieuse de voir son visage. Seulement, c'est un rêve que je fais tout éveillé. Il agita la main en direction de la lampe à pétrole. Parfois, j'éteins la lumière et j'attends. Vous attendiez quoi? Pas quoi, qui? Rectifia-t-il. Elle se tut un moment. C'était le genre de conversation qui nécessitait des pauses entre deux échanges. Qui attendez-vous, Max? Max resta immobile. Le fureur. Le ton était dépassionné. C'est pour ça que je m'entraîne. Les pompes? Exact. Il se dirigea vers l'escalier de béton. Chaque soir, j'attends dans le noir que le fureur descende ses marches. Et quand il arrive, lui et moi, nous nous battons pendant des heures. Elle s'était remise debout. Qui gagne? Il eut envie de répondre qu'il n'y avait pas de vainqueur. Puis il prit conscience de ce qui l'entourait, les bâches, les pots de peinture, les journaux qui s'accumulaient un peu plus chaque jour. Il contempla les mots, le long nuage et les silhouettes peintes sur le mur. « Moi, » répondit-il. C'était comme s'il avait ouvert la main d'Elisel, déposé les mots au creux de sa paume et puis refermé ses doigts. À Mocking, Allemagne, deux personnes parlaient sous la terre. Cela ressemblait au début d'une blague. C'est l'histoire d'un juif et d'une allemande qui sont dans un sous-sol, mais cela n'avait rien d'une blague. Part 6, The Painters, early June. Another of Max's project was the remainder of Mein Kampf. Each page was gently stripped from the book and laid out on the floor to receive a coat of paint. It was then hung up to dry and replaced between the front and back covers. When Liesel came down one day after school, she found Max, Rosa and her papa all painting the various pages. Many of them were already hanging from a drawn-out string with pegs, just as they must have done for the standover man. All three people looked up and spoke. Hi, Liesel. Here's a branch, Liesel. Bad times, Aumunch. Where have you been so long? As she started painting, Liesel thought about Max Vandenberg fighting the Führer, exactly as it explained it. Basement vision, June 1941. Punches are thrown. The crowd climbs out of the walls. Max and the Führer fight for their lives, each rebounding off the stairway. There's blood in the Führer's mustache, as well as in his parched line, on the right side of his head. Come on, Führer, says the Jew. He waves him forward. Come on, Führer. When the vision dissipated and she finished her first page, Papa winked at her. Mama castigated her for hogging the paint. Max examined each and every page, perhaps watching what he planned to produce on them. Many months later, he would also paint over the cover of that book and give it a new title after one of the stories he would write and illustrate inside it. That afternoon, in the secret ground below 33 Hemel Street, the Ubermans, Liesel Memminger, and Max Vandenberg prepared the pages of the word shaker. It felt good to be a painter. Partie 7. Cartes sur table, 24 juin. Ce fut ensuite la septième phase du dé. Deux jours après l'invasion de la Russie par l'Allemagne, trois jours avant que la Grande-Bretagne et la Russie soviétique n'unissent leurs forces. Un 7. Vous jetez le dé
et vous regardez sur quelle face il tombe en prenant conscience que ce n'est pas un déréglementaire. Vous dites que c'est de la malchance, mais vous avez toujours su que cela devait arriver. C'est vous qui l'avez introduite dans la pièce. La table l'a senti dans votre haleine, le juif dépassé de votre poche depuis le début. Vous le portez à votre revers, et quand vous jetez les dés, vous savez que ça va être un 7, exactement le chiffre qui va vous nuire. Et c'est un 7. Il vous regarde dans les yeux, répugnant et miraculeux, et vous partez avec ça qui commence à vous ronger. Tout simplement, la malchance, voilà ce que vous dites, aucune conséquence. C'est ce que vous vous forcez à croire, mais au fond, vous savez qu'il s'agit d'un signe annonciateur d'événement à venir. Vous cachez un juif, vous le payez, vous devez le payer d'une manière ou d'une autre. Rétrospectivement, Lisette se dirait que ce n'était pas le pire. Lorsqu'elle relaterait son histoire par écrit dans le sous-sol, bien d'autres choses seraient passées entre-temps. Dans tout ce qui était arrivé, la décision du maire et sa femme de ne plus donner de travail à Rosa n'était pas de la malchance. Cela n'avait rien à voir non plus avec le fait de cacher des juifs. C'était lié à un contexte beaucoup plus large, celui de la guerre. Pourtant, lorsque l'événement eut lieu, il fut ressenti comme une punition. Tout commença une huitaine de jours avant le 24 juin. Comme d'habitude, Lisel ramassa un journal dans le poubelle près de la rue de Munich. Elle le glissa sous son bras et l'apporta à Max Vandenberg. Il venait de commencer à le lire lorsqu'il lui lança un coup d'œil. « N'est-ce pas chez lui que tu portes le lavage et le repassage ?» demanda-t-il en montrant une photo en première page. Lisel, qui était en train d'écrire pour la sixième fois sur le mur le mot « discussion », près du nuage et du soleil dessiné par Max, s'approcha de lui et lui tendit le journal. « Si, confirma-t-elle. » Elle entreprit de lire l'article dans lequel on citait une déclaration du maire. Certes, affirmait Heinz Hermann, la guerre se déroulait parfaitement et la population de Moltke, comme tous les Allemands responsables, devait s'attendre à des temps plus difficiles et prendre les mesures adéquates. « On ne sait jamais ce que préparent nos ennemis, expliqua-t-il, ni de quelle manière ils vont tenter de nous affaiblir. Une semaine plus tard, la mise en garde du maire porta ses fruits amers. Lisel se rendit, comme d'habitude, chez lui, Grande Straße, et lut quelques pages du siffleur sur le sol de la bibliothèque. L'épouse du maire ne se comporta pas de manière anormale, du moins pas plus que les autres jours, jusqu'au moment où la fillette prit congé. Cette fois, lorsqu'elle offrit le livre à Lisel, elle insista pour qu'elle l'emporte. « S'il te plaît. » C'était presque une supplication. Elle serrait les doigts autour du livre. « Prends-le, s'il te plaît, prends-le. » Sensible à l'étrangeté de l'épouse du maire, Lisel n'osa pas la décevoir à nouveau. Elle prit le livre à la couverture grise et aux pages jaunissantes et avança le long du couloir. Au moment où elle s'apprêtait à réclamer le linge à laver, la femme en peignoir de bain lui adressa un dernier regard navré. Elle alla chercher une enveloppe dans un tiroir de la commode. « Je suis désolée, c'est pour ta maman », dit-elle d'une voix rocailleuse à force de ne pas servir. Lisette cessa de respirer. Elle se sentit soudain mal à l'aise dans ses chaussures. Sa gorge se serra et elle se mit à trembler. Lorsqu'elle finit par prendre la lettre, elle entendit le bruit de l'horloge dans la bibliothèque et se rendit compte alors qu'il ne ressemblait pas à un tic-tac, mais plutôt au coup régulier d'un marteau frappant le sol par en dessous. Quelque chose comme un son venu du tombeau. « Si seulement le mien était prêt, » se dit-elle, car en ce moment même, Lisel Memminger aurait voulu mourir. Lorsque les autres clients avaient cessé de donner leur linge, cela n'avait pas été aussi douloureux. Il y avait toujours le maire, sa bibliothèque et la relation avec son épouse. Un dernier espoir s'enfuyait. Cette fois, c'était la trahison suprême. Comment allait-elle pouvoir affronter sa maman? Pour Rosa, cette petite somme d'argent était un appoint utile. Cela représentait un supplément de farine, un peu de graisse. Ilsa Hermann, pour sa part, mourait d'envie de se débarrasser de Lisel au plus vite. Cela se voyait à sa façon de resserrer son peignoir autour d'elle. Elle s'obligeait à rester là pour montrer maladroitement ses regrets, mais elle avait hâte que ce soit fini. Elle ouvrit de nouveau la bouche. « Dis à ta maman, » commença-t-elle.
Sa voix était maintenant plus assurée. Dis-lui que nous sommes désolés. Elle entraîna la fillette vers la sortie. Lisel le sentait maintenant dans les épaules, la douleur, l'impact de l'ultime rejet. Alors, c'est ainsi, se dit-elle, tu me jettes dehors comme ça? Lentement, elle prit son sac à linge vide et gagna la porte. Une fois à l'extérieur, elle se retourna. Pour la seconde fois de la journée, elle fit face à la femme du maire. Elle la regarda dans les yeux avec une fierté presque sauvage. Dankeschön. Ilsa Herman lui adressa un pâle sourire. Si un jour tu as simplement envie de venir lire, dit-elle, tu es la bienvenue. C'était un mensonge, ou plutôt c'est ainsi que le perçut Lisel sous l'effet de choc et de la tristesse. Elle était frappée par la largeur de la porte. Pourquoi donc avait-on besoin d'un tel espace pour franchir le seuil? Si Rudy avait été présent, il l'aurait traité d'idiote. C'était pour pouvoir faire entrer tous leurs meubles, voyons. Au revoir, dit-elle. Lentement, dans un mouvement morose, la porte se referma derrière elle. Lisel ne s'éloigna pas. Elle s'assit sur les marches et contempla longuement Mulkin. Il ne faisait ni chaud ni froid et l'on voyait clairement la petite ville tranquille. Mulkin était dans un bocal. Lisel ouvrit le courrier. Le maire, Heinz Herman, exposait en des termes diplomatiques les raisons qui l'obligeaient à se passer les services de Rosa Huberman. Grosso modo, il expliquait qu'il se montrerait hypocrite s'il continuait à bénéficier de petits luxes de ce genre, alors qu'il conseillait à ses administrés de se préparer à des temps plus difficiles. Un peu plus tard, il se leva et se dirigea vers la rue. Elle se leva et se dirigea vers la rue Immel. Mais quand elle se retourna dans la rue de Munich, au niveau de l'enseigne Steiner Schneidermeister, sa tristesse céda la place à la colère. « Ce salopard de mère, chuchota-t-elle, et sa pathétique bonne femme. » S'il fallait s'attendre à des temps plus difficiles, c'était une bonne raison pour continuer à employer Rosa, non? Au lieu de quoi, il la virait. Eh bien, il n'avait qu'à laver et repasser eux-mêmes leur fichu linge, décida-t-elle, comme tout le monde, comme des pauvres. Dans sa main, le siffleur se crispa. Du coup, elle m'a offert le bouquin par pitié pour se donner bonne conscience, murmura-t-elle, sans tenir compte du fait que la femme du maire le lui avait proposé auparavant. Elle revint sur ses pas, comme elle l'avait déjà fait une fois, et se dirigea vers les 8 grandes strasses. Elle résista à la tentation de courir. Mieux valait garder son souffle pour ses mots. En arrivant, elle fut déçue de voir que le maire n'était pas là. Il n'y avait aucune voiture tranquillement garée dans la rue. Ce qui était peut-être préférable, finalement, car Dieu sait ce qu'elle aurait pu lui faire en ce moment d'affrontement entre riches et pauvres. Elle grimpa les marches deux par deux et frappa si fort à la porte qu'elle se fit mal. Les petits fragments de douleur n'étaient pas désagréables. L'épouse du maire recula en la voyant. Elle avait les cheveux légèrement humides et ses rides se creusèrent lorsqu'elle lut la fureur sur le visage habituellement pâle de Lisel. Elle ouvrit la bouche, mais aucune son n'en sortit. Tant mieux, car la fillette, elle, avait des choses à dire. Vous croyez que vous allez m'acheter avec ce livre? Déclara-t-elle. Sa voix, quoique tremblante d'émotion, sauta à la gorge de la femme. La colère l'aveuglait, mais elle refusa de se laisser arrêter. Elle essuya les larmes qui lui venaient aux yeux. Vous pensez tout arranger en me donnant ce zarmange de bouquin alors que je vais devoir dire à ma maman qu'on a perdu notre dernier client. Et vous, pendant ce temps, vous êtes ici bien installé dans votre belle maison. The mayor's wife's arms, they hung. Her face slipped. Lisel, however, did not buckle. She sprayed her words directly into the woman's eyes. You and your husband sitting up here. Now she became spiteful, more spiteful and evil than she thought herself capable. The injury of words. Yes, the brutality of words. She summoned them from some place she only now recognized and hurled them at Ilsa Herman. It's a bad time, she informed her, that you do your own stinking washing anyway. It's a bad time you face the fact that your son is dead. He got killed. He got strangled and cut up more than 20 years ago. Or did he freeze to death? Either way, he's dead. He's dead, and it's pathetic that you sit here shivering in your own house to suffer for it. You think you're the only one?
immediately. A brother was next to her. He whispered for her to stop, but he too was dead and not worth listening to. He died in a train. They buried him in the snow. Liesel glanced at him, but she could not make herself stop. Not yet. This book, she went on. She shoved the boy down the steps, making him fall. I don't want it. The words were quieter now, but still just as hot. She threw the whistler at the woman's slippered feet, hearing the clack of it as it landed on the cement. I don't want your miserable book. Now she managed it. She fell silent. Her throat was barren now. No words for miles. Her brother, holding his knee, disappeared. After a miscarriage pause, the mayor's wife edged forward and picked up the book. She was battered and beaten up, and not from smiling this time. Liesel could see it on her face. Blood licked from her nose and licked at her lips. Her eyes had blackened. Cuts had opened up, and a series of wounds were rising to the surface of her skin. All from the words from Liesel's words. Book in hand and straightening from a crouch to standing hunch, Ilse Herman began to process again of saying sorry, but the sentence did not make it out. Slap me, Liesel thought. Come on, slap me. Ilse Herman didn't slap her. She merely retreated backward into the ugly air of her beautiful house, and Liesel once again was left alone clutching at the steps. She was afraid to turn around because she knew that when she did, the glass casing of mulching had now been shattered, and she'd be glad of it. As her last orders of business, she read the letter one more time, and when she was close to the gate, she screwed it up as tightly as she could and threw it at the door as if it were a rock. I have no idea what the books have expected, but the ball of paper hit the mighty sheet of wood and twittered back down the step. It landed at her feet. Typical, she stated, kicking it onto the grass. Useless. On the way home, this time she imagined the fate of that paper the next time it rained. When the mended glass house of mulching was turned upside down, she could already see the words dissolving letter by letter till there was nothing left, just paper, just earth. At home, as luck would have it, when Liesel walked through the door, Rosara was in the kitchen. And she asked, where is the washing? No washing today, Liesel told her. Rosa came and sat down at the kitchen table. She knew. Suddenly, she appeared much older. Liesel imagined that what she'd look like if she untied her bun to let it fall out onto her shoulders, a gray towel of elastic hair. What did you do there, you little Zaumensch? The sentence was numb. She could not muster her usual venom. It was my fault, Liesel answered. Completely. I insulted the mayor's wife and told her to stop crying over a dead son. I called her pathetic. That was when they fired you. Here. She walked to the wooden spoons, grabbed a handful and placed them in front of her. Take your pick. Rosa touched one and picked it up, but she did not wield it. I don't believe you. Liesel was torn between distress and total mystification. The one time she desperately wanted a washing, and she couldn't get one? It's my fault. It's not your fault, Mama said. And she even stood and stroked Liesel's waxy, unwashed hair. I know you wouldn't say those things. I said them. All right, you said them. As Liesel left the room, she could hear the wooden spoons clicking back into position in the metal jars that held them. By the time she reached her bedroom, the whole lot of them, the jar included, were thrown to the floor. Later, she walked down to the basement where Max was standing in the dark, most likely boxing with a fur. Max? The light dimmed on, a red coin floating in the corner. Can you teach me how to do push-ups? To do the push-ups? Max showed her and occasionally lifted her torso to help. But despite her bony appearance, Liesel was strong and could hold her body weight nicely. She didn't count how many she could do, but that night, in the glow of the basement, the book thief completed enough push-ups to make her hurt for several days. Even when Max advised her that she'd already done too many, she continued. In bed, she read with Papa, who could tell something was wrong. It was the first time in a month that he'd come in and sat with her. And she was comforted, if only slightly. Somehow, Hans Huberman always knew what to say, when to stay, and when to leave her be.
Perhaps Lizzle was the one thing he was a true expert at. Is it the washing, he asked. Lizzle shook her head. Papa hadn't shaved for a few days and he rubbed the scratchy whiskers every 2 or 3 minutes. His silver eyes were flat and calm, slightly warm, as they always were when it came to Lizzle. When the reading petered out, Papa fell asleep. It was then that Lizzle spoke what she'd wanted to say all along. Papa, she whispered, I think I'm going to hell. Her legs were warm, her knees were cold. She remembered the nights when she'd wet the bed and Papa had washed the sheets and taught her the letters of the alphabet. Now his breathing blew across the blanket and she kissed his scratchy cheek. You need a shave, she said. You're not going to hell, Papa replied. For a few moments, she watched his face. Then she lay back down, leaned on him, and together they slept, very much in Munich, but somewhere on the seventh side of Germany's die. So, Sasha, what are your questions for this chapter? Une seconde. Yeah. Ma question pour celui-ci, c'est, pensez-vous que le maire a eu raison de cesser de donner son linge à Lizelle? Pourquoi ou pourquoi pas? And mine is, have you ever used your words to hurt someone? And which one do you think are more powerful, your fists or your words? And why? And I also had a question for one of the previous parts, which is, why do you think it felt good to be a painter that day? La jeunesse de Rudy. À la fin, elle dut le lui donner. Il savait s'y prendre. Un portrait de Rudy Steiner, juillet 1941. Un filet de boue enserre son visage. Sa cravate est un balancier qui a cessé depuis longtemps d'osciller. Ses cheveux citron qu'éclaire la lampe sont ébouriffés et il arbore un sourire absurde et triste. Il se tenait à quelques mètres de la marche et il parlait avec joie et conviction. « Alles ist scheiße », dit-il. « Tout est de la merde. » Au cours du premier semestre 1941, pendant que Lizelle était occupée à cacher Max Vandenberg, à voler des journaux et à dire leurs quatre vérités aux épouses de mère, Rudy affrontait de son côté une nouvelle vie dans les jeunesses hitlériennes. Depuis février, il rentrait des réunions dans un état pire qu'avant. Souvent, il était accompagné de Tommy Mueller, qui n'allait guère mieux. Il y avait à cela trois raisons. Un problème à trois composantes. 1. Les oreilles de Tommy Mueller. 2. Franz Deutscher, le colérique chef des jeunesses hitlériennes. Et 3. L'incapacité de Rudy à éviter d'intervenir. Si seulement Tommy Mueller n'avait pas disparu pendant 7 heures, 6 ans plus tôt, lors d'une des journées les plus froides que Munich ait connues, ses otites et ses tics nerveux continuaient à entraver le déroulement des défilés des jeunesses hitlériennes. Et je peux vous dire que ce n'était pas une bonne chose. Au début, la situation se dégrada lentement. Mais au fil des mois, Tommy fut de plus en plus la cible de la colère des chefs des jeunesses hitlériennes, surtout quand il s'agissait de défiler. Rappelez-vous l'anniversaire d'Hitler l'année précédente. Pendant quelque temps, ses otites s'aggravèrent. Elles avaient atteint un stade où elles lui causaient de vrais problèmes d'audition. Il n'entendait pas les ordres qui étaient hurlés au groupe lorsqu'il défilait en rang. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la neige, la boue ou sous la pluie battante, c'était pareil. Or, tout le monde devait s'arrêter au même instant. Un seul claquement de pied, leur disait-on. Voilà ce que veut entendre le Führer. Tous unis comme un seul homme. Et boum, Tommy. Cela venait de son oreille gauche, je crois. C'était la plus atteinte des deux. Et lorsqu'un halt acide vrillait les oreilles de tous les autres. Tommy continuait à marcher sans se rendre compte de rien. L'effet était comique. Le malheureux arrivait à changer et en un clin d'œil, un impeccable défilé en chaos. Un samedi de début juillet, après une énième tentative de défilé ratée à cause de Tommy, Franz Deutscher, un nom parfait pour un parfait jeune nazi, en eut par-dessus la tête. « Mueller, du aff !»
Son épaisse chevelure blonde lui massa le crâne et ses paroles malaxèrent le visage de Tommy. « Espèce de singe, qu'est-ce qui se passe ?» Apeuré, Tommy se recroquevilla, mais sa joue gauche continuait à tressauter d'un air joyeux comme s'il riait, triomphant, et prenait la semence du bon côté. Et cela ne plaisait pas du tout, Franz Deutscher. Il foudroya Tommy de son regard pâle. « Eh bien » interrogea-t-il. « Qu'est-ce que tu réponds ?» Les tics de Tommy ne firent que s'accentuer. « Tu te moques de moi ?»« Heil !» parvient à articuler Tommy dans une tentative désespéré pour se faire bien voir, mais il fut incapable de prononcer le Hitler qui aurait dû suivre. C'était à ce moment-là que Rudy s'avança. Il se planta face à Franz Deutscher et leva les yeux vers lui. « Chef, il a un problème !»« Je m'en suis aperçu !»« Aux oreilles !» poursuivit Rudy. « Il ne peut pas... »« Très bien !» Deutscher se frotta les mains. « Tous les deux, vous allez me faire 6 fois le tour du terrain !» Ils obtempèrent, mais pas assez vite. « Schnell !» Sa voix les poursuivit. Les 6 tours accomplis, ils eurent droit à quelques exercices, le genre où il faut courir, s'accroupir, se relever et recommencer. Puis, après 15 longues minutes, alors que tout devait être terminé, ils reçurent de nouveau l'ordre de s'aplatir au sol. Rudy looked down. A warped circle of mud grinned up at him. « What might you be looking at ?» it seemed to ask. « Down !» France ordered. Rudy naturally jumped over it and dropped to his stomach. Up, Franz smiled. One step back, they did it. Down. The message was clear, and now Rudy accepted it. He dived at the mud and held his breath. And at that moment, lying ear to sodden earth, the drill ended. Vielen Dank, meine Herren, Franz Deutscher politely said. Many thanks, my gentlemen. Rudy climbed to his knees, did some gardening in his ear, and looked across at Tommy. Tommy closed his eyes and he twitched. When they returned to Hemel Street that day, Liesl was playing hopscotch with some of the younger kids, still in her BDM uniform. From the corner of her eye, she saw the two melancholic figures walking towards her. One of them called out. They met on the front step of the Steiner's concrete shoebox of her house, and Rudy told her all about the day's episode. After 10 minutes, Liesl sat down. After 11 minutes, Tommy, who was sitting next to her, said, "It's all my fault." But Rudy waved him away, somewhere between sentence and smile, chopping a mud streak in half with his finger. "It's my..." Tommy tried again, but Rudy broke the sentence completely and pointed at him. "Tommy, please." There was a peculiar look of contentment on Rudy's face. Liesl had never seen someone so miserable yet so wholeheartedly alive. "Just sit there and twitch or something." And he continued with the story. He paced, he wrestled his tie. The words were flung at her, landing somewhere on the concrete step. "That doubter," he summed up buoyantly. "He got us, huh, Tommy?" Tommy nodded, twitched, and spoke, not necessarily in that order. "It was because of me." "Tommy, what did I say?" "When?" "Now, just keep quiet." "Sure, Rudy." When Tommy walked forlornly home a short while later, Rudy tried what appeared to be a masterful new tactic, pity. On the step, he pierced the mud that had dried as a crusty sheet on his uniform, then looked Liesl hopelessly in the face. "What about it, Zalmond?" "What about what?" "You know." Liesl responded in the usual fashion. "Circle," she laughed. And she walked the short distance home. A disconcerting mixture of mud and pity was one thing, but kissing Rudy Steiner was something entirely different. Smiling sadly on the step, he called out, rummaging her hands through his hair. "One day," he warned her, "one day, Liesl." In the basement just over 2 years later, Liesl ached sometimes to go next door and see him, even if she was writing in the early hours of the morning. She also realized it was most likely those sodden days at the Hitler Youth that had fed his and subsequently her own desire for crime. After all, despite the usual bouts of rain, summer was beginning to arrive properly. The Clara apples should have been ripening. There was more stealing to be done. Alors, ma question pour celui-ci, c'est quels adjectifs pourrait-on utiliser pour décrire Rudy et quels autres adjectifs décrirait mieux Franz Deutscher?
And my question is, what is Rudy asking from Liesl? Let's see if you guys remember. And that's it for this week. This was week 14. Leave some comments, ask us a question, answer our questions, whatever you guys feel comfortable doing, and we'll see you next week. C'est la fin de notre 14e semaine. Répondez aux questions, demandez les questions, n'importe quoi, si vous voulez en discuter avec nous, et on vous verra la semaine prochaine. Bye.